Il est 20h sur Gabon News. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité. Visite des chantiers des différents établissements scolaires de Libreville ce jeudi par le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, Séraphin Mondonga, afin de s'assurer de l'état des structures d'accueil quelques jours avant que les élèves ne reprennent le chemin de l'école. Et puis après l'élection présidentielle le mois d'août dernier au Mali, le président élu Ibrahim Boubacar Keïta a été officiellement investi ce jeudi dans ses fonctions effectives de président de la République malienne et ce en présence de plusieurs chefs d'État venus des quatre coins du monde. Mais d'abord, ce corps sans vie d'une jeune fille qui a été retrouvée ce jeudi matin sur une plage de Libreville. Le corps portait quelques hématomes sur le visage, attestant la brutalité avec laquelle ce crime a été perpétué. À l'heure de la découverte, aucune mutilation n'a été constatée. Les détails dans ce reportage de Kenyon Ngouri et Fred Ndongo. Dès les premières heures de la matinée de ce jeudi sur la plage jouxant le lycée national Léomba, une nouvelle découverte macabre. Il s'agit d'un corps sans vie d'une jeune fille âgée d'une vingtaine d'années, qui ne portait sur elle aucun document et totalement dénudée. Sur les lieux, la présence des agents de la police scientifique qui essayaient de prendre les premières informations nécessaires pour reconstituer les faits. Selon des versions concordantes des agents sous couvert de l'anonymat, ce crime est loin d'être classé dans le registre des crimes dits rituels, car le corps de la victime était encore pourvu de tous ses membres et organes. Ici, l'hypothèse d'une agression physique et sexuelle est de plus en plus évidente, du fait de ces traces de violence visibles sur la partie gauche du visage de la victime. Entendu que la piste d'un crime rituel est écartée, il revient donc aux médecins légistes et aux autorités judiciaires de déterminer les causes réelles de cet énième cas de mort sur la plage de Libreville. Lundi 23 septembre, la date de la rentrée scolaire est désormais connue de tous. Les parents se pressent afin de terminer le trousseau scolaire, cahier, sac, stylo, trousseau couleur et dessins qu'affectionnent les enfants. Un reportage de Sabrina Polo et Justin Bitégué. Un trousseau scolaire arborant des dessins de Dora, Superman, Card et Le Kitty, en passant par les stars de chansons et football, sont là les préférences des enfants pour cette rentrée scolaire. Est-ce que ces cahiers-là avec des dessins animés sont plus appréciés par les enfants? Bien sûr, bien sûr. Les enfants apprécient même pour les jouets comme ça, par exemple. Oui. Apprécient beaucoup. C'est tout ce qu'il y a, le Tarzan, comme ça, tout le dessin animé. Qui tout ça à Lyon. Et le joueur aussi, comme ça. Ces préférences ont-elles un impact sur la concentration de nos enfants ou stimulent-elles l'intelligence de ces derniers? Des questions que nous avons posées aux concernés. Cahier de chansons. Cahier de mots, c'est clair. Pourquoi tu peux faire ça? Parce que c'est génial. Ça me permet de bien étudier et. Et en même temps, tu vois ma star sur le cahier. Certains parents laissent libre choix à leurs enfants d'avoir la qualité des cahiers ou bien d'autres objets qui constituent le trousseau scolaire. Toutes choses qui, sans doute, participent à leur épanouissement à l'école. Restons dans le domaine de l'éducation et cette fois-ci avec la visite du ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur dans les différents chantiers des établissements scolaires de Libreville ce matin. Plusieurs lycées et collèges de la capitale gabonaise ont été visités par le ministre et les cadres du ministre. Martial Tsonga et Fred Ndongo ont aussi accompagné la délégation ministérielle. Regardez. Du collège Léomba au lycée de Siban, en passant par le lycée de Mikolongo et bien d'autres établissements secondaires, le ministre veut se rassurer de l'avancement des travaux à une semaine de la reprise des cours. Aussi, évoque-t-il l'aspect sécurité dans ces établissements. Pour le moment, la focalisation, c'est les salles de classe. Ils payent un gardien, mais ils facturent, ils payent dans le projet. Ici, sur cet espace qui abrite le lycée d'Agonje, quelques explications sur les classes préfabriquées. Ici, on a 55 modules. Avec 10 containers, avec des chaises, des bureaux, des choses comme ça. À la fin du projet, on va avoir un écho fini complètement avec tous les mobiliers, avec des allumières, avec tout. Et tout. C'est un terme. On coordonnait avec Anif pour réaliser des salles IT. Si vous voulez regarder, on a coupé quelques modules, comme ça tu peux regarder dans pour avoir une idée d'une salle finie. La sécurité dans les lycées et collèges de la capitale gabonaise, la finition des travaux sont entre autres aspects évoqués par le ministre au cours de son programme de visite dans les chantiers. Son souhait est d'avoir des effectifs de 30 élèves par classe.
Reprise des travaux de l'échangeur de Nzengayon, des ouvriers à pied d'œuvre s'attellent dans la matérialisation de cet échangeur afin qu'il soit une bonne fois pour toutes praticable et surtout pour pallier un tant soit peu au sempiternel problème d'embouteillage observé à Libreville. Au constat avec Sabrina Polo et Justin Bitégué. Caterpillar, pelleteuse, nivelleuse et bien d'autres engins poids lourds et les ouvriers sont à pied d'œuvre pour la finition des travaux de cet échangeur. Des travaux de construction engagés depuis le début de l'année avaient été interrompus pour des raisons que l'on ignore. Les ouvriers en pleine activité et motivés à livrer les travaux dans les délais requis, une situation plutôt favorable pour les automobilistes de la capitale gabonaise et surtout les habitants du quartier Nzengayon et environ qui s'inquiétaient sans doute quant à la finition de l'ouvrage. Et puis, à quelques jours de la fin de l'opération d'enrôlement des populations en vue d'un fichier électoral biométrique, le processus d'enrôlement se déroule normalement dans le département de la Noya, en dépit de quelques difficultés de parcours. Le constat sur le terrain de Philippe Oyaga et de Fred Ndongo. Un peu plus de 1000 personnes déjà enrôlées pour le compte du département de la Noya. Un chiffre sans doute satisfaisant, mais derrière lequel se cachent plusieurs écueils qui ont jalonné ce processus d'enrôlement qui tire à sa fin après une rallonge de 7 jours. Pareille circonstance, les difficultés étaient vraiment liées au transport des agents enrôleurs. Parce que chaque matin, nous devons quitter ici pour aller les déposer là où ils doivent travailler et le soir, aller les chercher. Vous avez vu vous-même l'état de la route avec mon véhicule de fonction, vraiment ça n'a pas été facile. Au-delà de certains aléas techniques, le principal point d'achoppement de cette opération aura été, au dire des agents enrôleurs, la méfiance de la population. Une inquiétude qui a pu se dissiper après un véritable travail de pédagogie. On était confrontés à un problème parce qu'il y a d'autres qui disaient « nous sommes fatigués du vote ». Voilà. Bon, il a fallu que nous les expliquions que non, ce n'est pas seulement le vote, mais c'est un fichier d'état civil. C'est à partir de là qu'ils viennent. Mais on a, depuis le début de la commission, nous avons eu des soucis, plusieurs soucis. Donc la prise de photos, comme vous avez vu tout à l'heure, y compris les empreintes. C'est donc après plusieurs péripéties que va s'achever cette fin de semaine l'opération d'enrôlement dans la ville de Cocobiche. Une opération qui, à l'aveu des responsables du département de la Noya, aura été une réussite au regard de la mobilisation effective des différents acteurs autour de cet événement. Une brève dans ce journal. Élu au second tour de l'élection présidentielle malienne du mois d'août dernier, Ibrahim Boubacar Keïta a été officiellement investi ce jeudi à Bamako en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que de nombreuses populations. Une seconde phase d'investiture qui sonne comme une reconnaissance de l'appui des pays amis sur la situation qui vient de traverser le Mali. Pour le nouveau président du Mali, ce jour sonne comme une victoire de démocratie que les Maliens et Maliennes doivent désormais préservé tel qu'il l'a relevé dans son discours de circonstance. Regardez. C'est sur ce TOF que prend fin cette édition d'information. Nous vous remercions pour votre fidélité. L'actualité se poursuit sur www.gabonnews.com. Au revoir. Chers amis, le Mali d'abord.